Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf, je présente une séance sur l'intégration par partie. Donc dédiée pour les classes première année, deuxième année préparatoire, aussi pour les bacs, les révisions des bacs, pour fixer les idées dans l'intégration par partie qui est très fréquente dans les concours et dans les DS dont il y a l'intégration. Donc je partage cette séance en deux parties, un rappel de cours, rappel très simple pour rafraîchir la mémoire, et un exercice pour illustrer l'intégration par partie et même des questions qui sont extraites du concours. D'abord, je rappelle c'est quoi l'intégrale de A à B de grand F' de T de T. Donc, égal entre crochet grand F de T entre A et B. Donc, ici, grand F, c'est la primitive de grand F prime. Donc, ça égale F de B moins F de A. Donc, on va donner des exemples. Donc, premier exemple, donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle T dt égale, donc, primitive d'exponentielle, c'est elle-même. Donc, égale exponentielle t entre 0 et 1, égale exponentielle 1 moins exponentielle 0. Donc, égale e moins 1. Exponentielle 0 égale 1. Deuxièmement, l'intégrale de 1 à e de 1 sur t dt égale, primitive de 1 sur t, c'est ln de t, égale ln de t entre 1 et e, donc égale ln de e moins ln de 1. Donc, ln de e égale à 1 ou ln de 1 égale à 0. Donc, ça égale à 1. L'intégrale entre 0 et 1 de t carré dt, primitive de t carré, c'est t3, t exposant 3 sur 3. Entre 0 et 1 égale à 1 tiers moins 0 égale à 1 tiers. Quatrièmement, donc l'intégrale entre 0 pi du cosinus t dt égale, primitive de cosinus c'est sinus, ça, car si on dérive sinus, on trouve le cosinus. Donc, ça égale à sinus pi moins sinus 0 égale à 0. Cinquièmement, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 2t dt. Donc, ça égale à exponentielle moins 2t sur moins 2. Donc, si on dérive cette fonction, on trouve exponentielle moins 2t. Okay. Donc, entre 0 et 1, donc ça égale à exponentielle moins 2 moins exponentielle 0 sur moins 2. Donc, le moins 2, je mets l'opposé, multiplie par moins en haut et en bas. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, c'est 1 moins exponentielle moins 2 sur 2. 6. L'intégrale de 1 à e de 1 sur t carré dt égale à. Donc, moins 1 sur t entre 1 et e. Donc, ici, si on dérive 1 sur t, on trouve moins 1 sur t carré. Donc, avec le signe du moins, donc, la dérivée de moins 1 sur t égale à 1 sur t carré. Donc, ça égale à 1. Donc, ici, le signe du moins, je fais d'abord le 1. Donc, égale à 1 sur 1 moins 1 sur e égale à, je rends au même dénominateur, égale à e moins 1 sur e. Maintenant, l'intégration par partie, le théorème. Donc, on a U, V, deux fonctions dérivables et leurs dérivées sont contenues sur AB. Alors, l'intégrale sur AB de U de T, V' de T dt égale entre crochet U de T fois V de T moins l'intégrale de A à B de U' de T, V de T dt. Donc, ici, on change les dérivées. Okay? Donc, on va illustrer ça dans des exemples. Pour ça, devient très compréhensible avec les exemples et très, très simple et très utile, même dans le concours de bac, le concours de prépa et l'examen des DS des préparatoires. Maintenant, on passe à l'exercice. Calculer à l'aide d'une intégration par partie les intégrales suivantes. Donc, I égale l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle moins 2t dt. J égale l'intégrale de 1 à e de t ln de t dt. K égale l'intégrale de 0 à pi de t cos t dt. L égale l'intégrale de 0 à pi de t carré sinus t dt. M égale l'intégrale de 1 à e de ln de t sur t carré dt. Et N égale l'intégrale de 0 à pi de t cosinus nt dt avec n appartient à n étoile.
Donc cette intégrale se trouve dans plusieurs concours pour calculer certaines sommes et certaines intégrations. Donc on va calculer le i. Donc ici, i égale l'intégrale de 0,1 de t exponentielle de moins 2t dt. On fait une intégration par partie. Donc ici, il faut se débarrasser de t. Donc on pose u de t égale à ln, u de t égale à t. Donc u prime de t égale à 1. La dérivée de t égale à 1. L'autre, c'est le v prime. V prime de t égale à exponentielle moins 2t. Ça implique que v de t égale à exponentielle moins 2t sur moins 2. Donc, pour se rassurer, on fait la dérivée. Et c'est exponentielle f, sa dérivée, c'est f prime exponentielle f. Le f prime, c'est moins 2. Donc, simplification par moins 2, on trouve que v prime égale à ça. Donc, ici, c'est une primitive correcte de v prime. Donc, maintenant, i, on fait l'intégration par partie. I égale à u fois v. Entre crochets, donc il n'y a pas le prime, u fois v, donc ici t fois exponentielle moins 2t sur moins 2, moins l'intégrale de 0 à 1 de d'une nouvelle fonction, c'est-à-dire u prime fois v. Donc 1 fois exponentielle moins 2t sur moins 2, donc on met là, donc ici le moins 1 demi, il sort, il devient plus 1 demi ici. Donc on calcule entre crochets, donc en 1 c'est égal à exponentielle moins 2 sur moins 2, en 0, 0 fois quelque chose égal à 0, plus 1 demi fois la primitive de cette fonction. Déjà on a calculé sa primitive, c'est exponentielle moins 2t sur moins 2. Donc après, donc on calcule, donc ça. Il y a un signe moins, donc on fait le 0 avant, donc égal à exponentielle 0, c'est 1. 1 moins exponentielle moins 2 sur 4. Donc ici, on rend au même dénominateur, on trouve que c'est égal à 1 moins 3 exponentielle moins 2 sur 4. Deuxièmement, le j égale à l'intégrale de 1 à e de t ln de t dt. On fait une intégration par partie. Donc ici, pour le ln, on ne dérive pas le t. Donc on va dériver le ln. C'est le contraire que donc le ln, c'est le contraire que c'est pas la même chose que l'exponentielle, car on sait pas. Donc si on fait la primitive de ln, elle complique les choses. Okay? Donc pour cela, on va dériver le ln de t. Le dérivé de ln de t égale à 1 sur t. Et v' de t égale à t. Donc la primitive, c'est t carré sur 2. Donc j égale à u fois v. Donc ln de t fois t au carré sur 2, entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à e de nouvelles fonctions, le produit de nouvelles fonctions. Donc ici, on sort le 1 sur e. Donc ici, 1 sur t fois t carré, ça donne t. Donc ici, on remplace par e, donc ln de e fois e carré sur 2, moins, on sait que ln de 1 égale à 0, donc ce n'est pas la peine de l'écrire, moins 1 sur e, le primitif de t, c'est t au carré sur 2, entre 1 et e. Donc ça donne e carré moins 1 sur 4, avec le 2 fois 2, ici, devient 4. Donc, ici, ici, on multiplie par 2, ln de e égale à 1, et on multiplie par 2, on rend en dénominateur, donc ça égale à e carré plus 1 sur 4. Pour le k, donc k égale l'intégrale de 0 à pi de t cosinus t dt. On fait une intégration par partie, donc u de t égale à t comme l'exponentielle, u prime égale à 1, le v prime égale à cosinus t, le v de t égale à sinus t. Donc si on dérive sinus, on trouve le cosinus. Donc k égale à ce qui est entre crochets, u fois v, donc t sinus t,
moins l'intégrale de 0 à pi de 1 fois sinus t, donc une nouvelle fonction, donc 1 fois sinus t selon sinus t. Donc sinus pi égale à 0, sinus 0 égale à 0, donc cette quantité égale à 0. Donc la primitive de moins sinus, c'est cosinus, car la dérivée de cosinus égale à moins sinus. Donc entre 0 et pi, donc égale à k égale à cosinus pi moins cosinus 0, donc égale à moins 1 égale à moins 2. Quatrièmement, L égale l'intégrale de 0 à pi de t carré sinus t dt. On fait une intégration par partie. Donc, u de t égale à t carré, on trouve 2t. V prime égale à sinus t, donc le V de t égale à moins cosinus t. On dérive cosinus, on trouve moins sinus. Donc, moins cosinus, ça donne sinus. Donc, L égale entre crochets U fois V. Donc, t carré fois moins cosinus t, ça donne moins t carré cosinus t. Plus, donc ici, moins les nouvelles fonctions, le produit U' fois V. Donc, ici, il y a moins 2 qui sort. Donc, ça donne plus 2 fois l'intégrale de 0 à pi de t cosinus t dt. Donc, ici, on remplace par pi. Ça donne moins pi carré cos pi. Et en 0, donc ça donne 0. Donc, c'est la fin de clé. Et on regarde cette intégrale. Donc, ici, il faut faire une autre intégrale, une deuxième intégration par partie, mais on a ça c'est le k, donc égal à plus 2k, donc moins pi carré cos pi, plus cos pi, cosinus pi égale à moins 1, donc ça donne pi carré, le k égale à moins 2, donc 2 fois moins 2, moins 4, donc L égale à pi carré moins 4. Donc cinquièmement, M égale l'intégrale de 1 à E de ln de t sur t carré dt. Donc on fait une intégration par partie. U de t égale à ln de t. Donc toujours lorsque ln, on met ln ici. Donc U prime égale à 1 sur t. Le V prime égale à 1 sur t carré. Le V de t égale à moins 1 sur t. Car si on dérive moins 1, 1 sur t, on trouve moins 1 sur t carré. Donc le compte est bon, comme tout à l'heure. Donc M égale à U fois V. Donc, ça égale à moins ln de t sur t entre 1 et e, plus l'intégrale entre, donc moins normalement, donc moins u prime fois v. Donc, ici, il y a un moins, il sort, il devient plus. Donc, l'intégrale de 1 à e, de 1 sur t fois 1 sur t, ça donne 1 sur t carré dt. Donc, égale à moins ln de e sur e. Et ln de 1 égale à 0, donc ce n'est pas la peine d'écrire. Donc, ici, la primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Donc, m égale à moins 1 sur e, moins 1 sur e, plus 1, donc égale à, ça c'est e sur e, donc on rend au même dénominateur, donc égale à e moins 2 sur e. 6, n égale l'intégrale de 0 à pi de t cosinus nt dt. On fait une intégration par partie. Donc, ici, le u de t égale à t, u prime égale à 1. V prime égale à cosinus nt, le V de t égale à sinus nt sur n, car sinus f de t égale à f prime composé f prime sinus de f de t. Donc ici, si on dérive, donc il sort le n, sinus de nt, si le dérivé c'est n cosinus t, simplification par n. Donc n égale donc u fois v, donc t sinus nt sur n, entre 0 et pi. Moins 1 sur n, les nouvelles fonctions ici, moins donc 1 fois sinus nt sur n. Et on sort le 1 sur n de l'intégrale, donc c'est une constante, l'intégrale de 0 à pi de sinus nt. Donc ça c'est 0, car sinus npi égale à 0, sinus 0 égale à 0. Donc ici égale à 1 sur n fois cosinus nt sur n. Car si on dérive cosinus nt, on trouve. Donc, moins sinus nt, donc le sinus moins ici. Donc, n égale à cosinus npi moins cosinus 0 sur n carré, n fois n, ça donne n carré. Donc, cosinus npi égale à moins 1 exposant n, car cosinus 0 égale à 1, cosinus pi égale à moins 1, cosinus 2 pi égale à 1, cosinus, etc. Donc, ça égale à moins 1 exposant n.